Seigneur Jésus. Je m'appelle Ivy Gueye, je suis la fille du DG d'NCI. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Patrick Edouard. Bonsoir. Zike. Bonsoir, Ivy Gueye. Guizo. Akpama. C'est pas ça. Akpama. C'est timide. Tonton Fela. Bonsoir, Miss Mambé. Merci. Tonton Fela est fort, hein? Ce soir, je tenais à clarifier quelque chose vis-à-vis de vous, hein, qui êtes là ce soir, et aussi de nos téléspectateurs qui regardent cette émission avec beaucoup d'intérêt. Vous annoncez solennellement que Vanesse ne fait plus partie de l'émission. Elle a décidé de quitter l'émission. Encore voilà. Une de plus. Nous passons. C'est une émission masculine. Nous passons. C'était important d'annoncer ça. Nous passons, merci. Elle a fait quitter l'émission. Nous passons, s'il vous plaît. Nous passons. Merci. Passons donc. Nous accueillons notre première invitée, Noferima, slameuse et grande lauréate mondiale. L'Ivoirienne Noferima, sacrée championne de slam. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le Ivy de Rochaud. Merci beaucoup. Vous avez eu écho que c'est une émission qui humilie ses invités? Non. Ah non? Ah, okay. Ça propre. Vous voulez continuer? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous serez invité. Oui. Vous assumez? Vous avez le cardio? D'accord, ça marche. Notre deuxième invitée aussi, une dame, qui va nous parler de littérature. Nous accueillons... Madame, venez, venez, s'il vous plaît. Obiageri. C'est son nom que je n'ai pas ici. Alors, Vanouche. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Bonsoir. Comment se fait-il pour une émission que tu as... Hein? Que tu as zappé, tu reviens comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dit que j'avais zappé? On a entendu ça partout. Tu sais, je t'envoie des SMS pour Elle m'a dit qu'elle n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'elle est revenue? C'est bien payé, Vanesse? Oui, c'est bien payé. OK, merci de le dire. Merci. Ma belle famille m'a fait revenir. Pardon? Ma belle famille m'a fait revenir. C'est même pas toi. On a une vidéo de notre invité, Noferima. Ce soir, c'est la demi-finale. Noferima retrouve ses concurrentes. Jorat, représentant le Congo-Brazzaville, et Tatishka, le Mali. Tatishka déclame en bambara sa langue maternelle. Pour le public, ses textes sont sous-titrés en français et en anglais. Jorat, elle, préfère le français. En larmes, elle évoque le sort des autistes dans son pays. Je pensais que cette époque était révolue, que les problèmes liés aux mythes et coutumes étaient résolus. Mais encore aujourd'hui, une femme vient d'abattre son fils au nom de la tradition. C'est enfin le tour de Noferima, un poème directement adressé à son père qui a abandonné la famille. Papa, est-ce que tu sais qu'on m'a renvoyé de l'école, moi, l'essentiel de tes yeux? Pour 500 000, on m'a chassé comme un vulgaire torchon. À cause de 500 000, ta fille ne sera pas journaliste. Aujourd'hui, j'ai mal, j'ai besoin de toi, tu manques, mais tu n'es pas là. Alors je ferme les yeux, je serre les dents, je prie. Mais je n'arrive pas à te pardonner. Papa, faut que tu reviennes. On ne veut pas biaiser ton bonheur. On a juste besoin de ta figure paternelle dans nos photos de famille. Noferima a ému toute la salle. Les 5 jurés désignés dans le public montrent leurs notes. Noferima vient de remporter la demi-finale. Alors, Noferima, j'ai dit que cette année, la Côte d'Ivoire en est devant. C'est ça. On est devant tout le temps, mais j'ai dit, on va tout ramasser, tout. Même championnat de
vendeur de gabarit, on prend tout. On prend tout. On prend tout. Je dis que c'est pour nous jusqu'à l'Ascaras. 2025, 2026, 2027. 5 ans comme ça. On est là. Et puis on est là. Alors, nos Ferima, c'est un championnat pardon, du monde ou bien c'est quoi? C'est la Coupe du monde de slam. Mais attention! Mais attendez! Mais on est loin? Coupe du monde de slam! Ouais. Donc il y avait les Brésiliens dedans, ouais. Les Italiens, Vietnamiens, les Russes. Les Russes. Ah, Tama! Il y a les Maliens aussi. Et les trois finalistes, c'était Côte d'Ivoire, Congo, Mali. Ouais. Mali! Mais fini comme mais, ça. On est toujours devant. J'ai dit, toujours. On est devant. On les bat. Il y a une qui est venue pleurer, même, ça pleure. Yes, la Congolaise, non. Quelle pleure. Elle pleure. Mais quelle rentre. Quelle rentre. Quelle rentre. Gros bisous à ces deux finalistes aussi, celle du Congo et celle du Mali. On les embrasse. Elles n'ont pas démérité parce que ce sont tes sœurs d'Afrique. Moi, je suis très contente parce que le trophée revient à l'Afrique. Et franchement, merci d'avoir représenté la Côte d'Ivoire. Ce que je déplore, c'est qu'on te connaisse maintenant que tu as gagné. Ouais. Moi, je ne te connaissais pas. Ouais. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Mm-hmm. Mais j'ai été très, très, très heureuse de savoir que tu avais remporté parce que je suis ivoirienne et que je suis patriote et que patati patata. Mais honnêtement, je ne te connaissais pas. Et c'est déplorable parce que je me dis, il faut qu'on soutienne nos figures qui nous défendent bien avant qu'elles nous ramènent un trophée. C'est cela. Comment s'est passé ton départ? Est-ce que tu as été soutenue? Est-ce que... Au départ, est-ce qu'il y a une fédération? Oui. Vous suivez? Oui. Il y a la Fédération ivoirienne de slam, voilà, dont le président est Bidjo. Mais l'association qui... Ah, ça, c'est mon papa, ça. Gros bisous. Le père des vieux pères. Il était juge. Et l'association qui organise, c'est... le collectif au nom du slam. Et nous sommes les poètes et slameurs de Port-Boué, dont je suis la chargée adjointe de communication. Donc, il y a aussi un troisième groupe qui est l'école des poètes. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a trois entités de slam. D'accord. Et la fédération nous réunit tous. Au départ, ce n'était pas facile. Il y a eu beaucoup de difficultés. Parce que, comme je le dis dans mon texte, j'ai voulu faire des études en journalisme, mais en troisième année, ça s'est compliqué parce qu'il n'y avait pas de moyens pour continuer. Donc, j'ai dû abandonner. Et le slam, pour moi, ça a été un exutoire. Quand j'ai rencontré le slam, j'ai commencé à m'exprimer, à écrire ce que je ne pouvais pas forcément dire aux autres comme ça. Mais sur la scène, j'arrivais à le faire aisément. Donc, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à déclamer. Et j'habite normalement à Yopougon, sur la route de Dabou. Et je quittais là pour Port-Boué. Lièvre-Rouge. Pour Port-Boué. À chaque fois qu'il y avait des répétitions, les dimanches, et parfois en pleine semaine, je partais. Je montais dans le bus. C'était pas facile. Parfois, je me prenais la portière là, dans le visage, boum. Mais bon, on continuait parce qu'il y avait la passion, parce que je voulais. Je me suis dit, si je ne serais pas journaliste, alors moi, Nofé, je ferai tout pour que je sois la meilleure slameuse que l'humanité ait connue. Okay. Grand bravo. Et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on ne cesse de dire à nos jeunes sœurs et à nos jeunes frères qui attendent le coup de pouce de l'oncle imaginaire ou de la tante qui travaille aux impôts. Il faut compter que sur soi-même. Et tu as compté sur toi et ton rêve. Et aujourd'hui, tu es là. Voilà, félicitations. Patrick. Alors moi, je voudrais savoir, par rapport aux autres genres musicaux, est-ce qu'on peut dire que le slam est un genre musical qui ne fonctionne pas en Côte d'Ivoire? Je ne dirais pas que le slam ne fonctionne pas, parce que du point de vue des enregistrements, par exemple, les slameurs n'enregistrent pas beaucoup. Parce qu'il y a deux types de slameurs. Il y a des slameurs qui font de la scène et qui enregistrent. Il y a des slameurs qui font seulement de la scène. Eux, ils se plaisent que sur la scène. Et ces slameurs-là, on ne les connaît pas forcément. Et il y en a d'autres qui osent quand même aller en studio enregistrer. Mais en Côte d'Ivoire, ça commence à émerger. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité où on n'invite pas un slameur. Ça n'existe pas. Il y a forcément un slameur. Est-ce que pécuniairement, ça fonctionne comme le coupé décalé, le PIA maintenant, ou bien le rap ivoire ou le zouglou? Non, ça c'est clair. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est un chemin, ça vient de loin, depuis les Amériques jusqu'en Afrique. Il faut du temps.
Mais pour l'instant, ça va, on s'en sort quand même. Zike? Je voulais savoir, à part le thème que tu évoques, que tu as évoqué tout à l'heure, est-ce que tu as d'autres tests dans ton domaine? Bien sûr, plusieurs textes, je ne saurais les compter parce qu'il y en a même que j'ai oublié. Mais par exemple, pour ce mondial, on présente 6 textes. D'accord. C'est 6 textes qu'on propose. Il y en a qui, il y en a un qui parle du changement climatique. Il y en a où je m'adresse à mon petit frère. Il y en a un qui parle de la condition des femmes en Afrique. Il y a plusieurs thématiques que j'aborde. Très bien. Vanessa? Alors, j'aimerais parler du fond hein, de vos textes. Vous parlez de votre père. La première fois que j'ai entendu votre, ce slam-là, j'ai décroché, c'était à cause de la voix qui m'avait... J'aime la poésie, mais le slam un peu moins. Mais j'ai été choquée d'entendre que vous parliez de votre père, vous le présentez dans ses insuffisances. C'est-à-dire, il vous a abandonné. Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire sait que le père de Noferima a abandonné la famille. Comment vous vous sentez après l'avoir jeté en pâture de cette façon? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est... Combien de fois vous aurez à déclamer ce texte avant de guérir de cet abandon-là? Déjà, il ne m'a pas abandonné parce qu'il est là, il est toujours là. C'est la séparation avec lui qui m'a peut-être impactée. Mais n'empêche que dans un texte, il y a la créativité, il y a le maquillage qu'on apporte et il y a une part de sincérité. Okay. Sinon, de base, mon père ne m'a pas abandonné. Et je crois qu'écrire ce texte seulement, c'est suffisant pour guérir. Ça va déjà. Mais vous continuez de le déclamer jusqu'à quand? Oui, parce que ce sont des compétitions et qu'il faut proposer des textes. Il y a plusieurs textes, mais il y a des textes, par exemple, qui ne peuvent passer qu'en Côte d'Ivoire. Parce que généralement, dans mes textes, il y a le argot ivoirien qui est le noussi. Et en Europe, si je vais déclamer ce genre de texte, ça ne va pas passer. Donc, j'ai fait un tri de mes textes et ce texte-là faisait partie des textes les plus forts. Et c'est cela la particularité de la gente féminine dans l'islam, parce qu'on arrive à faire pleurer les autres. Et... Selon les personnes qui ont écouté mon texte, ce qui me revient généralement est très positif. On me dit, j'ai écouté, j'ai perdu mon père, mais quand je t'ai écouté, j'ai pleuré et j'ai guéri. Donc de base, ça n'a pas une influence négative, parce que moi, ça m'a purgé. Et quand les autres écoutent et qu'ils pleurent, ils se libèrent également. Tonton Fela ? Non, moi, j'ai un gros problème. Hein. Je suis Vanessa dans ce qu'elle a dit. Ça m'a choqué de l'entendre parler ainsi de son père à la face du monde. D'accord. Bon, vous venez de dire que c'est le test, hein. Mais on n'est pas obligé de passer par là pour avoir un trophée. D'accord. Vous êtes fier de votre trophée? Bien sûr. Moi, j'en aurais pas été très fier. D'accord. Parce que j'aurais livré mon père aux gens. Oui, parce que ceux qui ne savent pas, vous êtes sur le plateau, vous le dites aujourd'hui, c'est parce que c'est le test. Mais après, les gens qui sont dans la salle ne savent pas ça. Votre père était étiqueté, c'était un mauvais père. Et ce n'est pas bien. On peut pas livrer son père pour avoir de la gloire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et je n'ai pas livré mon père. Si vous l'avez fait dans le test. Ça, c'est clair. Et si, je me dis que si ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi d'écrire ce texte, je n'allais rien remporter. Dieu n'est pas dans le mensonge. Dieu n'est pas dans le mensonge. Peut-être que, comme je le dis, c'est un texte. Mais c'est un texte. Moi, je n'ai pas de problème avec mon père à la base. Non, mais Dieu n'est pas dans le mensonge. C'est le sentiment de séparation que je décris, en fait. Oui. Voilà, et moi, je suis fière de chaque marche que j'arrive à monter. On aurait pu avoir une autre façon de décrire cela. Et vous pensez que quand on a quelque chose sur le cœur, on ne doit pas l'exprimer? Mais vous venez de le dire qu'il n'est jamais parti, alors que vous dites dans le texte voilà. Qu'il est parti. À cause de lui, vous n'avez pas terminé vos études. D'accord. Ce n'est pas forcément vrai. Je prends un exemple simple. Quand vous regardez un acteur à la télé qui joue un rôle et qu'il vous fait pleurer, est-ce vrai? Non, dans le slam, il y a une grosse part, il y a une grosse part de créativité. C'est une information qu'elle nous donne maintenant. Surtout moi, par exemple, dans mes textes, après aller checker sur les réseaux, je suis très théâtrale dans ma déclamation. Et j'ai même un texte où je parle de la condition des femmes. Je commence, les femmes se comparent aux hommes, c'est la rengaine à la mode. C'est comme ça que je commence. Et les hommes ne sont pas forcément d'accord. Et ce texte, il y a une grosse part de moi, mais je joue vraiment. Je joue sur l'émotionnel des gens et j'utilise des termes forts pour toucher, pour impacter. Il y a ça aussi, il y a ce volet-là. Sinon, de base, moi, je n'oserais pas humilier mon père. J'ai eu un sentiment, je l'ai écrit, je l'ai transmis. OK, Guizo. Moi, déjà, c'est au niveau de ton retour de Paris. J'ai remarqué que les autres slameurs, je connais, c'est Kacha, KPJ, tout ça. Néoulou, à qui je fais un gros bisou. Ils ont pourtant annoncé ton arrivée à l'aéroport. Et je vois sur la photo, les autres slameurs ne sont pas sur la photo. Peut-être les autres slameurs de Port-Bouy et tout ça, mais les figures qu'on connaît en tant que slameurs, on ne les voit pas. Je me suis posé donc la question, est-ce que tes rapports avec ces derniers-là sont des rapports vraiment propres
ou peut-être il y a des différends, tout ça. Et en deuxième point, vous parlez de votre vécu. Mmh. Généralement, tu parles de ton vécu quand tu parles de ton père. Mmh. Mais il y a des choses qui nous touchent directement ici. Mmh. Des gens viennent là, on casse des maisons, on a des augmentations ici. Est-ce que vous, il y a des personnes vraiment qui s'occupent de parler directement de nous, nos vécus. Nous, nos vécus, nous qui vous écoutons. Nos préoccupations. La première question. Vous pouvez répondre. La réponse, pourquoi les voilà. autres slameurs Là, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps. Et sinon, tous... j'ai de très bons rapports avec eux. On a eu que la famille du slam est divisée. Non, voilà. Non, ça c'est faux. Parce qu'il n'y avait parce pas une personne là-bas. Quand j'ai remporté, j'ai été soutenue. Et même quand je prestais, parce qu'il y a un en France qui était chargé de faire le direct et qui montrait tout, qui partageait les émotions du moment. Et quand je me suis reconnectée le lendemain, j'ai vu que tout le monde était présent. Tous les slameurs étaient dans le groupe à me soutenir. Vas-y, continue. Et même quand ils n'avaient presque pas d'espoir, ils étaient là à me motiver dans le groupe. Qui est ton coach? C'est Curtis Le Griot, le président des poètes et slameurs de Port-Boué. Mais il était dans le groupe des Néon Lula, non? Ah oui. Il a quitté le groupe pour aller créer pour lui? Non, il n'a pas quitté pour créer. C'est le fait que Bijo et lui aient eu l'idée de créer une troisième association. C'est Bijo qui a créé ou bien c'est non, lui qui a... Non, c'est ensemble qu'ils ont eu l'idée. Donc... Au lieu de rester de l'autre côté, il a préféré se concentrer sur les poètes et slameurs de Port-Boué. Avec Big Sinon, Joe. Il n'y a pas de différence. Avec Big Joe? Non, Big Joe, il est plus avec le collectif au nom ça, du slam. Ça, on dit là. Et il a un regard extérieur. Et il est souvent avec nous. Parce que Big Joe, c'est mon papa. Hein. Mm-hmm. Ne lui faites pas ça. Big Joe s'est beaucoup battu pour le slam. Bien. Il a imposé le slam en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Big Joe. Mm-hmm. Moi-même, avant, quand il commençait son affaire de slam, là. Je n'avais pas confiance en ça. Non, non, c'est la vérité. C'est vrai. C'est notre vieux père, il faisait slam, là, on se moquait de lui. Mais sûrement, il ne veut pas laisser la place. Mais aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la place. C'est ça, sûrement. Est-ce qu'il a commencé, c'est est-ce qu'il est âgé? Il est très âgé. Il n'est pas âgé. J'ai dit, il n'est pas âgé. Il peut être âgé. Sinon, donc, faut dire Alpha Blondie, Poppy, il va tenter. Non, mais Alpha Blondie, je parle. Oui, quand tu parles. Pas la place. On est en train de parler des compétences. S'il ne laissait pas la place, elle n'allait pas gagner Coupe du Monde. Mais il ne peut pas. C'est Big Joe qui allait être là-bas. C'est un problème, Big Joe. Il soutient. La voici qui est là. Big Joe, il ne laisse pas la place. On était ensemble hier et il m'a même parlé de. Est-ce qu'il ne laisse pas la place? Bien sûr. Il a laissé la place à qui? Qu'elle nous donne. Elle est où? Qu'elle nous dise. Je parle de l'association qui gère. Je ne te parle pas de personnes qui. Mais si quelqu'un ne laisse pas l'association là-haut. Oui. Et puis donc. Lui, c'est le président, lui, il va compétir. Mais qu'est-ce que tu... Qui te parle de compétition? Moi, je comprends pas. Guizot, même là, ce soir, là. La Fédération Ivoirienne de cela. J'ai dit... Je dis que sûrement, il y a des différents parce qu'ils ne laissent pas la place aux jeunes. J'ai dit... Quand tu dis qu'ils ne laissent pas la place aux jeunes, là, oui? Tu parles de la présidence. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes compétentes pour le remplacer? Bien sûr. Ou bien les slameurs même sont venus te dire que... Non, peut-être comme tu marches avec eux... Non. Moi, non. Je suis d'une hypothèse. Comme tu marches avec eux, peut-être qu'ils t'ont dit quelque chose, il faut nous dire. Non, je suis d'une hypothèse. Non, c'est pas une hypothèse. Hypothèse, là, tu as parlé, tu as affirmé. Il faut nous dire, c'est vous comme ça qui critiquez les gens. Oui. Vous êtes avec les gens d'une association, quelqu'un crée son truc. Vous êtes en bas. Non, mais oui, vous êtes en bas, vous faites des critiques, vous mettez ensemble des messes bas, micmas, yuka, vous prenez quelque chose, quelqu'un a créé, vous partez faire son numéro 2, et puis les gens 3, vous êtes divisés dedans, c'est vous qui allez dire non, il n'a qu'à laisser la place. Pourquoi vous n'avez pas les idées? Pourquoi vous ne commencez pas les idées? Puis quand on va venir. Non, attendez. Ils disent qu'ils ont déjà vu ça. Pourquoi vous ne commencez pas quelque chose? C'est un statut visé. Excusez-moi. Vous ne commencez jamais rien. Vous ne commencez jamais rien. Nous, les jeunes. Vous venez trouver des gens qui commencent quelque chose? Nous, les jeunes. Non, il a été jeune aussi. Il a été jeune. Il a été jeune. Mais lui, il est vieux. Je dis, la vieillesse, là. La vieille. Excusez-moi, s'il vous plaît. La vieillesse, là. Hein? Tout le monde sera vieux. Pas parler mal à l'oncle est là. Tout le monde sera vieux. Et figure-toi que quand tu vas vieillir, des jeunes diront que tu t'as accaparé robe avec rouge à lèvres pour faire une. Ils n'auront pas le temps de dire parce que ça a commencé avec les manants campus. Laissez la place aux jeunes, c'est ce que nous demandons. Laissez la place. Tu as entendu, il faut aller faire la commission à Bidjo. Donc, pour revenir à Mme Noferima, quelles sont vos difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? C'est vraiment compliqué d'être slameur. Je prends un exemple simple. Il y a une personne qui te contacte et qui te demande de venir prester.
Si c'est un artiste coupé décalé, ils ne vont pas imposer de thème, mais nous, on nous impose un thème. Parfois, c'est à la veille. On doit écrire. Et quand on parle de notre cachet, du prix, les gens, ils finissent toujours par discuter. Votre cachet, c'est combien? Non, ça dépend de chaque slammer. Bon, vous, si comme ça. Où tu as eu Coupe du Monde, là? Comme tu as eu Coupe du Monde, là, ça peut être... Non, mais dis, vends-toi, ma chérie. Oh, dis, vends-toi. Vas-y, vois donc les moyens. Hein. Ma chérie, vends-toi. Ou bien si tu dis, les gens... Si NCI a besoin de toi pour une cérémonie, ils vont me contacter ici. Non, mais évalue, donne une approximation. Non, mais elle a peur. Mais tu sais, c'est ça le problème des Africains. C'est pour ça qu'on vous paye toujours avec casier de bière. Oui, 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 oui. L'Africain n'a pas de prix. Coca, hein? C'est Coca, non? L'Africain n'a pas de prix. Quand on vous demande votre prix, non, ils vont me contacter. Là-bas, quand on vous contacte, quand on vous dit 100 000, vous êtes fâché. C'est ils vont me contacter qui est là. Tu as fait Coupe du Monde, tu as gagné. Mm-hmm. On demande, tu dis, mon cachet commence à partir d'un million, 2 millions. C'est ton prix, ma tranquille. Chérie. Et tu le vaux. Aïe! Non, mais Ivy. S'il vous plaît, monsieur. Voilà. Non, voilà. Et tu le vaux. C'est vrai. Tu as gagné la Coupe du Monde de slam devant des Russes, devant des Tchèques, des Maliens. Devant des Maliens, devant une pléiade d'individus. Ton prix, là, celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Tu as fâché en colère. Sachez vous vendre. Arrêtez les dessous des tables. Aïe! Je n'aime pas les artistes qui ne se vendent pas cher. Je suis d'accord avec Ivy. On te demande ton prix, tu dis non, ils vont me contacter. Après, ça vous fait SOS pour dire que ouais. Au contraire, quand tu dis ton prix là, tu tries, tu as une qualité de client. Voilà. Tu as une qualité de client. Parce que tu as gagné. Aujourd'hui, ils te voudront tous dans les cérémonies. Bien sûr. Parce qu'ils aiment l'excellence. C'est ça. Mais ils n'aiment pas donner le prix à l'excellence. La championne du monde. Mais je pense qu'elle en est consciente. Après non, donc elle n'a qu'à dire quelque chose. Ton prix commence à partir de combien? Ça dépend de la cérémonie. Attendez, j'ai dit, quand toi tu te regardes là, quand t'as trop secoué, ça veut dire que le départ, on n'a pas dit le final, le départ. Le P là, c'est combien? Sucelle. Déjà, ce que je fais n'a pas de prix parce que c'est très cher. Voilà, c'est fini. C'est un prix. Hyper cher. Ça n'a pas de prix, c'est un prix. C'est hyper cher. Ça veut dire à la personne qui veut te contacter que je coûte cher. Je coûte cher. C'est tout. Merci. Attends. Oui, Patrick. Mais si le coût cher, lui, il considère que son cher, là, c'est ce qui va sortir de sa poche. Si son cher, c'est 50 000. C'est mais dans la vie. Il n'a pas parlé de l'association d'amis. Attends, il y a des gens qui ont fait. Messi, aujourd'hui, là, elle est comme Messi. Elle est comme Messi. Elle est comme Cristiano Ronaldo. Donc, si quelqu'un vient elle vous dire. Elle a fait Coupe du Monde. Attends, si quelqu'un vient vous dire. Messi, tu peux aller dire 50 000 à Messi. Il y a des gens qui demandent si ton page fauché. On dit 50 000. Je vais poser ma question. Bon, vous avez dit qu'on vous impose des écritures et autres. Est-ce qu'il vous est déjà... Des thèmes, pardon. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui vous ont demandé d'écrire des thèmes qui sont désobligeants, des thèmes qui ne vous touchent pas particulièrement et que vous avez malheureusement presté pour l'argent? Désobligeant, je ne dirais pas. Parce que quand on nous sollicite, ça dépend. Écrire sous inspiration, c'est trop facile, quoi. Tu as l'inspiration, les mots coulent de source. Mais quand une personne te sollicite, généralement, le thème même ne t'inspire pas. Un jour, j'ai écrit sur le potager urbain. De base, même, je ne savais même pas ce que c'était. Donc, je suis d'abord allée faire des recherches et j'ai écrit. Et là, on ne parle pas d'inspiration spontanée. On va créer l'inspiration. On va le faire sortir. On va lui dire de se manifester. Et là, on écrit. Et chez nous, il y a toujours de l'amour et de la passion. Parce que même si tu n'as pas ressenti ça à l'écrit, en déclamant, au contact du public, on ressent quelque chose de fort. Tonton Fela. Mais vous avez tout à l'heure que vous êtes une actrice. Dans j'ai ce... pas dit une actrice. Je viens, laissez-moi faire. J'ai donné un exemple. Il y a un jeu d'acteur dans ce que l'on fait. Mm-hmm. Vous avez dit quand on vous suit. Oui. Et donc l'acteur là, il s'adapte à tout. Mais moi je me plains pas du fait qu'on nous sollicite la veille. Je viens, j'ai pas fini. Vous ne pouvez pas dire qu'on vous a imposé un thème et que vous n'entrez pas dans le thème. J'ai pas dit ça. Quand on parlait de votre père, vous avez dit c'est parce que vous c'était un jeu d'acteur. Et donc, Donc, je n'ai pas aimé. Je crois que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas aimé du tout. Vous ne m'avez pas laissé aller au père. Je suis un père, je n'ai pas aimé. Voilà. Parce que non, on ne dénigre pas son père. Moi, ce que je voulais demander. Moi, je pense que ton père était dénigré. Ce que je voulais demander, en revenant un peu sur le thème que vous avez proposé pour la Coupe du Monde de Slam,
que vous avez remporté au nom de la Côte d'Ivoire, du drapeau ivoirien, où vous êtes allé représenter les Ivoiriens que nous sommes, hein, devant plusieurs pays, notamment des pays africains tels que le Mali, le Congo. Et vous avez ramené la coupe. Vous avez ramené la coupe pour les Ivoiriens. Je suis très... Oui, je suis très fière de ça. Je suis très fière de ça. Mais je voulais demander, est-ce que j'ai entendu une partie, papa, pour 5 000 francs, 500 000 francs, je ne suis pas allée à l'école, on m'a renvoyée. C'est parce que votre père n'avait pas les moyens. Ou bien c'est lui-même qui ne voulait pas donner les 500 à l'époque. Déjà... Sincèrement, hein. Il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens. Et vous allez... Prenez le temps d'écouter le texte du début à la fin, en profondeur, et vous allez comprendre que c'est très explicite. Il y a beaucoup de colère dedans. De colère envers mon entourage, mais de colère aussi envers moi-même. Voilà. Non, nous, c'est la partie où tu as parlé des 500 000. Moi, je n'ai pas perçu ça. Attends, rapidement, voilà. Ziké. Je voulais savoir, parce que la première fois que j'ai écouté, excuse-moi, j'ai cru que papa n'était plus. Il est? Est-ce qu'il est vivant? Ce sont des figures de style qu'on utilise. Non, réponds à ma question avant qu'on va rentrer dans l'idée. Il est bel et bien là. Il est là? Oui. OK. Ton papa est quelle ethnie? C'est mon ethnie, donc. C'est quelle ethnie? Je suis Koyaga. Oui. Evie, j'ai une question. Rapidement. Ouais, voilà. C'est quoi le prochain challenge quand on est championne du monde de slam? Il y a la deuxième Coupe du Monde qui aura lieu au Togo. Donc c'est la prochaine. Vous faites deux coupes du monde. Donc défendre le titre. Oui. Il y en a déjà Il faut nous dire la vérité. C'est demi-finale, tu allais faire ou bien c'est finale? Non, c'est la finale. La première Coupe du Monde, elle a lieu à Paris. Et elle a sa 19e édition. Elle est statique, elle ne bouge pas. C'est ça, c'est pour les... Voilà. Voilà. Et la seconde Coupe du Monde, elle fait le tour du monde vraiment. Quoi. L'an dernier, c'était en Italie. Et cette année, c'est au Togo. On doit te laver. Oui, on doit la laver. Il y a déjà eu une ici, en Côte d'Ivoire. Non, en Afrique, je suis la première. Qui va la laver? La première Africaine a remporté la Coupe du Monde. C'est papa qui lave, c'est papa la mandoline, va la laver comment? Tonton, fille, tu laisses pas. Elle est la première. Guizot. Rapidement, pour dire que... Moi, j'ai dit les slameurs se foutent du monde. Les slameurs nous mentent. Oui, ils nous mentent depuis belle lurette. C'est-à-dire, les tests qu'ils déclament, on connaît vos tests. Mais pour nous mystifier, ils mettent une petite musique. On peut avoir une musique, voilà, s'il vous plaît. Pour nous mystifier. On connaît le test. Hein. Donc, il est là, qui regarde. Ils sont sénés. Attends, elle va nous faire quelque chose. Ils sont sénés, puis il est là. Et... A, za, la, ka, peu. Écoutez. Écoutez, s'il vous plaît. À Zalaï Hôtel, une PO à l'hôtel, donc je dis à Zalaka PO. Qui t'a parlé? Ces deux brochures, alors reste dans leur coin. Où est mon doupi? Où est mon doupi? Ah, le voilà, il s'envole. Adja, dja, dja, bi, 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 l'éléphant, font des mots, mon cachet, chéri, coco. Dis coco, alors que ceux qui ont des oreilles, écoute, écoute, écoute. Quoi? Il y a un caillou dans les oreilles? Merci à Noferima, merci. Moi, je suis très contente. Moi, je suis très, très, très contente. Je pense que vous savez un peu mon patriotisme. En effet. Je suis ivoirienne, je suis fière de l'être et j'adore les couleurs de mon drapeau. Et quand quelqu'un défend ces couleurs-là, je suis en extase. Donc, félicitations encore et bon vent. Il faut qu'on te lave pour le Togo. La deuxième coupe. Oh, tu es rayonnante, tu es fabuleuse, tu es belle, tu es éclatante. Caillou dans l'oreille. Ça, monsieur le juge, tu as chiffré le temps. Il y a caillou dans ton oreille. Sous la lépalade sacrée, il y a caillou dans ton oreille. À
chouchou là. Hey! Aïe. La chouchou là. Et c'est pas fait ça là. Chouchou. Ça là, faut m'apprendre. Il faut que tu m'apprennes. Ça. Mais chouchou, ça fait ça. Je te parle. Il nous faut ce soir beaucoup, 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 beaucoup de sang-froid. Le cardio. Ça va se passer. J'espère que le sang va couler. C'est maintenant l'émission commence. Appelez, appelez. Santé! Noëlla! Santé! La cherté de la vie. Cherté de la vie. On a convoqué un président, et non des moindres, le président de l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire, M. Marius Komoué. Bonsoir, président. Bienvenue bonsoir dans le Yves de Rochaud. Merci. Heureux de vous retrouver. Je vous admire très loin, devant mon poste téléviseur, au même titre que l'ensemble des... Je vous trouve très belle, très séduisante et très éblouissante. C'est rapide, hein? Adama! C'est la stratégie pour t'amadouer, ma chérie. Oh, loin s'en faut, je dis plutôt ce qui est vrai. Ah, voilà. Ok. Il dit la vérité. Pourquoi tu veux... Non, mais on sent... Parce que toi, je n'aime pas ce genre de jalousie. Pourquoi tu ne m'as pas dit aujourd'hui, bébé, tu es bête? Ah, mais ça, là, c'est honte. Tu fais de la jalousie, chérie. Oui, je fais, j'assume. Oh, c'est malheureux, hein, parce que toi, tu fais ça. Nous avons, je vois ici, lanceur d'alerte, je ne sais pas ce que c'est, mais Monsieur Serif Tal. Bonsoir, monsieur, lanceur d'alerte. C'est quoi un lanceur d'alerte? Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez. Un lanceur d'alerte, c'est un citoyen qui aime son pays et qui décide de manière bénévole d'attaquer des sujets souvent dits tabous dans notre société et qui alerte les autres citoyens, c'est-à-dire les Ivoiriens, s'il est en Côte d'Ivoire, s'il est Ivoirien, et même les non-Ivoiriens qui sont aussi sur le territoire, de lancer des alertes. Si par exemple, un exemple, je prends un exemple sur le cas de Boribana, lorsqu'il y a eu le déguerpissement des populations, ben, le travail du lanceur d'alerte, c'est de voir est-ce que ce déguerpissement se fait dans les normes légales. Légales. Voilà, donc alerter la population comme donc, quoi... Que ce soit politique, tout social, showbiz, tout. Tu es un peu un papato. On dirait un papato 2.0. Voilà, ok, d'accord, je comprends bien. Tal, ça me dit quelque chose, Sénégal, de chez mes parents? Oui, je suis originaire du Sénégal. Y a quelqu'un que nous avons tous étudié au primaire, El Hadj Omar Tal. Voilà, je suis descendant d'El Hadj Omar Tal. Sérieux? Voilà. Tu as vu ça? Oui. C'est pas n'importe qui a non, voilà. C'est un grand. Cherté de la vie. Quelle implication des consommateurs? C'est pour ça qu'on vous a convoqué ce soir. Parce que ça parle un peu... On se plaint un peu. Et vous, en tant que lanceur d'alerte, et M. Marius Komoué, en tant que président de l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire, on a besoin de savoir. Alors, M. le Président, comment, de votre rang, vous gérez cette histoire de cherté de la vie? Alors, d'abord, il faut préciser que les associations de consommateurs sont des structures privées. Ce n'est pas des structures publiques. C'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas avec les finances publiques. Donc, ce n'est pas des associations financées avec l'argent du contribuable ivoirien. Ce n'est pas des associations qui vivent et qui grossissent grâce aux impôts et aux taxes des Ivoiriens. Les associations de consommateurs sont des organisations de la société civile créées par des consommateurs, par des Ivoiriens, qui constatent que des gouvernants existent, ont en charge de faire notre bonheur, mais nous servent des difficultés. Quand on n'arrive pas à assumer nos charges sociales, quand on n'arrive pas à prendre en charge les frais d'hospitalisation, les frais de scolarité, les frais liés au loyer et autres, on constate qu'on souffre. Alors, on se met ensemble, entre citoyens qui souffrent, pour dire à nos gouvernants, stop, vous avez pris le pays, vous avez décidé de faire notre bonheur, mais nous constatons
Quand Dieu place du bonheur, vous nous servez des difficultés. Donc, le rôle de cette association qu'on crée, c'est pour porter le combat, c'est-à-dire porter la voix, justement, de tous ceux qui souffrent. Donc, celui qui se ressent comme souffrant, qui vit les mêmes problèmes que nous nous portons aux décideurs, nous rejoint. C'est des associations, je le répète encore une fois, privées, mises en place par des consommateurs pour protester contre l'incapacité de nos gouvernants à assumer leurs obligations régaliennes. Voilà. Je voulais passer la parole à Vanessa, mais rapidement, je vais passer la parole à Guizot parce que je le vois sourire depuis tout à l'heure pendant que vous étiez en train de parler. Je vois que M. Komoué insiste sur le mot privé. Moi, déjà, que ce soit privé ou public, ça reste un consommateur. Et normalement, quand vous luttez normalement pour tout le monde et pas pour, si vous voulez, pour une classe privée de consommateurs. Moi, j'ai vu une fois dans votre interview, je crois bien que c'était le 14 septembre 2023, où vous avez parlé de l'importation du riz. Et vous avez dit comme ça que l'importation, le fait qu'on importe le riz, cela est dangereux pour la consommation locale. Et quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Est-ce que ce n'est pas préférable d'arrêter tout combat vu qu'on ne vous écoute pas? Non. Hein? Il ne faut surtout pas justement arrêter. Mm-hmm. Mais quand je parle, j'insiste sur le mot privé, je le fais exprès pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'une association, là, on adhère. Mm-hmm. En Côte d'Ivoire et en Afrique en général, on a l'inculture associative. On crée une association des ressortissants d'un village. Vous ne participez pas aux réunions. Vous n'avez même pas de cadre de membres. Vous n'êtes pas payé aucune cotisation. Mais vous demandez au président de l'association du village de faire votre bonheur. Comment est-ce possible? Mais donc le président ne doit pas faire le bonheur, même si on n'adhère pas. C'est pour ça que vous voyez les choses. Je reviens encore une fois pour dire, dans le cadre des associations de consommateurs, oui, ce qui a amené les uns et les autres, mm-hmm, à penser qu'ils sont en droit d'exiger des présidents d'associations de consommateurs de faire leur bonheur, c'est le fait que dans notre prise de position, nous ne distinguons pas les consommateurs, voilà, qu'ils soient de notre association ou pas. Mais ceux qui doivent faire votre bonheur, ce n'est pas les associations de consommateurs. À la limite, les associations de consommateurs, vous ne leur devez rien. Et elles aussi ne vous doivent rien. Elles vivent les mêmes, les leaders vivent les mêmes problèmes que vous. Et donc c'est ensemble qu'on devrait se mettre pour porter notre mécontentement auprès des décideurs. Ceux qui viennent devant vous pour demander vos suffrages, votez-moi, je ferai ceci pour vous. Il n'y a pas de président d'association de consommateurs dedans. Ni pour les régionales, ni pour les députations, ni pour les communes, c'est-à-dire les communales, ni pour la présidente de la République. Et donc c'est ensemble que nous devrons pouvoir dire à tous ceux qui nous ont promis, qu'ils soient maires, votez-moi, je vais venir rendre la ville plus belle. Et puis quand il est maire, on ne le voit plus jusqu'aux prochaines élections. Et pourtant, nous leur payons des taxes et des impôts. Quand vous payez une boucle d'oreille pour les dames, vous avez payé des taxes. Quand vous payez une mèche, vous payez des taxes. Quand vous payez une lunette que nous portons là, vous avez payé des taxes. Même quand vous payez un petit kilo de riz, demi-kilo de riz à la boutique, vous avez payé des taxes. Tout ce que vous achetez, vous payez des taxes. Même la tieke, boule 100 francs, vous avez payé des taxes. Et c'est avec ces taxes et impôts que l'État a obligation de faire notre bonheur en mettant à notre disposition des centres de santé accessibles à notre bourse, des centres de santé qu'on doit fréquenter public, qu'on doit pouvoir aller pour nous soigner. Il doit mettre à notre disposition des écoles. On dit bien l'école est gratuite. À votre humble avis, l'école est gratuite en Côte d'Ivoire? D'accord, monsieur Marius. Mais vous qui êtes président, que vous dites que vous êtes président d'association là-haut, donc dans ce cas, démissionnez. Non, attendez, monsieur, vous avez parlé longtemps dans mon émission. Vous avez parlé longtemps dans mon émission. Je vous reconnais. Voilà. Vous avez parlé. C'est vous qui devez nous défendre. C'est vous, nous, on connaît. C'est vous qui rencontrez les en haut là-bas. Donc, c'est vous qui devez aller parler là-bas pour dire que rien n'a augmenté. Mais nous, on est derrière vous. Vous aussi, vous dites, on n'a qu'à quitter derrière vous. On s'en va s'arrêter derrière qui maintenant? Vous vous trompez, vous n'avez pas bien compris, moi, je reviendrai. J'aimerais demander, depuis que les Ivoiriens se plaignent de la cherté de la vie, notamment des factures d'électricité, qui avez-vous contacté? Avec qui vous avez déjà parlé pour plaider notre cause? Relativement au cas de l'électricité, le dossier il est simple, hein? Je vous l'explique.
Non, non, est-ce que je veux savoir à qui vous avez parlé depuis que les Ivoiriens se plaignent? Au premier responsable en charge du secteur de l'énergie au plan étatique, c'est le ministre en charge de l'énergie. Mm-hmm. Son nom, s'il vous plaît? Monsieur Sangafoua, Koulibaly Sangafoua. Il a même expliqué en long et en large les raisons de la motivation, les motivations qui ont amené l'État à procéder à un ajustement du prix du kilowatt-heure de l'électricité. Okay. Ça a été repris dans tous les médias, y compris sur les réseaux sociaux. Même ce média qui nous accueille ce soir en a fait cas dans son journal et même dans plusieurs émissions. Cela dit, les motivations qui ont mené l'État au dire des gouvernants, pas au dire des présidents des consommateurs, parce que ce n'est pas nous qui fixons le kilowatt-heure d'électricité. Nous subissons justement la fixation de ce prix par l'État. Et vous avez dans le système l'ANARE, qui est l'organe de régulation, qui oriente l'État sur le coût qu'on doit pouvoir fixer aux populations, aux abonnés. L'État regarde si le coût est convenable, l'État fait la communication à travers le ministère en charge de l'énergie, en conseil de gouvernement, puis ensuite en conseil des ministres. Et le président de la République certifie et c'est appliqué. Bon, ça, c'est la procédure. Maintenant, en tant que président des consommateurs, quand on nous appelle pour nous donner l'information que l'État va procéder à une nouvelle augmentation du prix de l'énergie, nous cherchons à comprendre les fondements d'une telle initiative. On nous dit que le secteur est déficitaire à hauteur de plus de 300 milliards. Okay. Donc, mauvaise gestion des différents régimes qui se sont succédés. Ensuite, nous constatons avec amertume qu'en 2016, des Ivoiriens ont été appelés à aller voter un référendum, une constitution par référendum. Dans cette même constitution, il y a des dispositions qui y sont qui mettent en place de nouvelles institutions, dont le Sénat, dont le Conseil d'État, la vice-présidente, la haute cour à la bonne gouvernance. Vous avez la vice-présidence, vous avez de nouvelles institutions que nous jugeons budgétivores pour un pays comme le nôtre. D'ailleurs, il y a des politiques telles que Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, qui ont alerté les Ivoiriens sur le danger que renferme cette constitution si nous y allons voter, si nous partons le voter. Et nous partons, pardon, la voter. Nous sommes allés la voter à 86%. Vous avez voté? Moi non, parce que je savais que ce n'était pas bon. Et donc, les Ivoiriens ayant voté, la majorité en démocratie s'impose. Nous en prenons acte. Maintenant, comment on paye les sénateurs, cette multitude, cette pléiade de sénateurs? Comment on paye? Et la mise en place d'abord des institutions, ensuite les hommes qui vont les animer, comment on les paye? Dont le Conseil d'État, la vice-présidente, mais il ne s'agit pas. Le vice-président, il ne paye pas l'eau, il ne paye pas courant, il ne paye pas carburant, il ne paye pas maison, il ne paye rien du tout, comme le président de la République, comme les ministres, comme les présidents des institutions que je vous ai citées. Mais c'est eux qui nous fixent le prix du kilowatt-heure d'électricité. C'est eux qui vous fixent le prix du carburant. C'est eux, même le coût des loyers pour lesquels nous nous sommes battus, pour que le ministère en charge de la construction et de l'urbanisme régule le coût des loyers en raison des cautionnements, de tels mois de cautionnement et de tels mois de loyer. Aujourd'hui, vous allez louer maison, les propriétaires vous disent c'est toujours 8 mois, 10 mois. À qui se référer? Il faut que l'État soit capable. Non, j'explique pour que les uns et les autres comprennent. Il faut que l'État qui prend des décisions pour le bonheur de ses populations ait la capacité de mettre en œuvre ses décisions pour le même bonheur de ses populations. Il ne s'agit pas d'en faire des effets d'annonce, des annonces pour juste tromper les populations et puis ne pas pouvoir assumer. Parce que nous, on n'a pas les rudiments, on n'a pas des moyens de répression, on n'en a même pas la prérogative. On ne peut pas se substituer au pouvoir public. Nous, tout ce que nous faisons, c'est de dénoncer. C'est d'élever la voix, c'est de protester. Le pire dans tout ça, quand on appelle les consommateurs à un soulèvement pour protester, vous vous levez, vous allez au travail. Tel se lève, va faire ses occupations. Vous êtes au privé. Mais bien sûr, donc si nous sommes au privé et que vous ne nous écoutez pas, pourquoi alors, lorsque la vie est chère, vous nous recherchez même? Non, mais tonton Fela, moi je vous prends au mot, hein. Tonton Fela. Monsieur Komoué. Oui, cher ami. J'ai suivi une de vos interviews, vous avez dit, vous étiez à la table lors de la prise de décision pour l'augmentation de l'électricité. Vous l'avez dit à une émission. Je l'ai suivi. Donc c'est dit que
Vous n'êtes pas allé nous défendre là-bas. Vous avez aidé les gens à nous faire le mal. Ça, c'est la première chose. La première association de consommateurs... C'est ton ami au dehors, hein. Tu le bien. Non, c'est même pas mon ami, c'est mon frère. Frère, hein. Ah, c'est ton frère, mais exactement. Tu le bien mal. Non, et je préfère la vérité. Ah, d'accord, voilà, allez-y. La première deux frères qui sont des Ebiamas, quoi. La première association de consommateurs a été créée en 90. Oui. Avec le multipartisme. Oui. En 98, il y a eu la fédération des consommateurs. Ça s'est cassé, pourquoi? À cause des 15 millions que l'État vous a donné. Ah. On dit l'État ne donne pas. Non, excusez-moi, excusez. Tonton. Quoi, comment? Non, tonton. Doucement. C'est ton ami et frère en dehors de l'émission? Non, je... Les confidences, c'était fait au dehors, tu as venu ici. Il ne m'a pas fait les confidences. Ah, d'accord. Je suis informé là-dessus. Bien, hein. L'État a donné 15 millions à l'association qui venait de naître. L'association n'a pas fait long feu. Pour les 15 millions. Tant tu es informé. Et donc, ce que moi je veux dire à mon frère Komoué, c'est un fonds de commerce à l'association des consommateurs. Il se sucre. Sur nos dos, oui. C'est quoi? C'est sucre sur nos dos. Ils prennent des pots de vin. Ah bon? Ouais. Moi, je ne crois en rien de tout ce qu'ils nous disent. Ils vont bien parler, ils vont parler tonton, comme ça. Après, là... Oh, doucement. J'entends, il dit que ceux qui sont doucement. Tous. Hey. Lui-même, il dit oui. Je dis tous. Hey, tous, parce qu'on ne voit rien de ce qu'ils font. Hein. Quand tu as passé une réunion, on doit augmenter l'électricité. Tu viens pas critiquer ça. Tu sors pour venir dire. Ou bien tu sors de la réunion. Regardez-moi les deux, là. Et quand tu sors, tu viens dire. Tu n'attends pas que la population se plaigne pour le dire. Pour constater. N'est-ce pas? Pour prendre acte. Pour prendre... Non. Pour dire on a voté. Ah. Donc, c'est une association privée. C'est vrai, c'est une association privée. Tu veux qu'on perde l'adhésion pour y adhérer et tout ça, là. Il y a combien de membres dans ton association? Elles sont 38. C'est bon, merci tonton. Beaucoup. Hein. Deux minutes, hein. Deux minutes. Oh, je vais faire très court. Voilà. Yeah. Alors, Francis, pour être honnête, d'abord, il ne parle pas de moi. Okay. Parce qu'en 1990, celui qui a créé la première association en Côte d'Ivoire s'appelle Melek Théodore. Moi, je n'existais pas. Aïe. Voilà, je n'étais pas encore là. Donc, il ne sait pas de moi. Feu, ensuite, monsieur, en 98, monsieur Melek Théodore, c'est mon nom. Oui, c'est le premier qui a créé la première association, l'Union nationale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Après lui, l'État de Côte d'Ivoire a souhaité que les quatre premières associations qui existaient dans les années 90 se mettent ensemble pour avoir un interlocuteur unique. J'ai appris l'histoire du mouvement consumériste que je dirige aujourd'hui. À l'époque, je n'étais pas là. Donc, ce n'est pas encore de moi dont il parle. Excusez, les 15 millions, combien de temps vous êtes les 15 millions donnés par le ministère du Commerce aux premières à la première fêtière qui a été créée, cette fêtière était dirigée par Maître Ngoranda. Okay. Des problèmes de personnes, effectivement, ont miné le fonctionnement de cette association pour le partage des 15 millions. Ah, donc tonton Fela dit la vérité. Oui, par rapport à nos dévanciers. Si. Okay. Et à l'époque, moi, comme moi, j'étais pas là. Cela dit, depuis que j'ai pris la tête du mouvement consommateur, l'État ne m'a jamais donné un centime. Qu'est-ce qu'il prouve? Oh, non, soyez sérieux. On est sur un plateau assez sérieux. Avec tout respect, il vous doit. Oui, mais la question de la dignité et de l'honneur d'un individu, on ne joue pas avec ça. Mais vous mettez donc, le doigt, quand je vous dis, non, quand je vous dis que je ne mange à la table d'aucun roi dans ce pays, je ne me promène ni chez vous à la maison, ni dans la maison d'aucun ministre dans ce pays pour rechercher des prébendes. Monsieur, pour la... y a des gens j'arrive. Qui l'ont dit. Si vous travaillez au même... Il y a des gens qui l'ont dit haut et fort. Monsieur, et après, on a vu. Mais ceux qui ont dit cela, par rapport à moi, c'est deux mondes, monsieur. Voilà pour qu'est-ce qu'ils prouvent. Je vous dis qu'il y a des êtres humains qui ne jouent pas avec leur honneur et leur dignité. Voilà. Vous pouvez jouer avec votre honneur, votre dignité. Moi, je suis à Dany Dabenguru. Voilà. Vous le répétez. J'ai fait Bondoukou, le lycée moderne de Bondoukou. Très fier. Et je vais vous dire une chose qui est claire et dans l'esprit de chaque Ivoirien. Je mets quiconque au défi, y compris les médias, de m'attester le contraire de mes propos. C'est tout, je vais plus loin. Cela dit, soyez rassurés d'une chose. Quand je suis allé à cette table de discussion, j'ai dit les vérités à tous ceux qui étaient autour de la table. À cette table, il y avait le ministre lui-même qui présidait la séance. Autour de lui, vous avez le directeur général de l'ANARE, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, le directeur général de l'énergie, du ministère de l'énergie, et tout le directeur général de la compagnie en charge de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Tout le monde était là. C'est moi qui ai porté la parole
de mes collègues présidents d'associations de consommateurs qui m'avaient fait cet honneur. Et je peux vous dire que nous avons dit ce que nous avions à dire, protester. Mais notre protestation a été suivie quelque temps après par un lancement d'alerte d'une jeune dame qu'on appelle Pulcheri Balé, qui est venue me voir à mes bureaux. On me dit, mais la vie est chère, l'électricité est chère, mais on ne vous entend pas. J'ai dit, mais madame, vous voulez m'entendre où? Dans la mesure où vous-même, plusieurs fois, on vous a appelé, mais à l'époque, vous n'avez pas répondu. Et tentez l'expérience. Vous avez appelé qui? On vous a appelé dans des mouvements de protestation. À la dame, vous parlez. Non, pas à la table, dans des mouvements de protestation. Les consommateurs. On les appelait à des mouvements de protestation. Savez-vous qu'en 2008, quand j'ai réalisé justement cette protestation qui avait marché et qui avait paralysé la ville d'Abidjan et celle de l'intérieur, j'ai dû payer de ma poche moi-même. C'est-à-dire, je vais dans un quartier, j'explique au président des femmes, au président des jeunes, que la vie est chère, il faut qu'on élève la voix pour que l'État regarde un peu nos assiettes, l'État prenne des mesures. Mais il y a des femmes, présidentes des quartiers, qui me disent, mais président, avec quel argent moi j'allais sensibiliser mes soeurs? Moi je n'ai rien. Tu vas voir tel président des jeunes. Avec quel... Mais c'est décourageant, on parle de la vie chère. Tu subis une situation, tu me demandes l'argent pour aller sensibiliser des gens. Parce qu'il n'a plus de confiance. Voilà. C'est une question de confiance. Excusez-moi, moi je vais. Le monsieur a fait très court. Il a fait très court. Voilà. Moi je vais prendre M. Céristal qui va faire très court aussi d'ailleurs. Voilà, qui est un lanceur d'alerte. Vous qui êtes. Qui faites partie des consommateurs comme tous ici, qui avez en face de vous votre président des consommateurs, qu'est-ce que vous avez à dire? Pour moi, la question est simple. Hein. La question, chacun de nous, chaque citoyen, est déjà son propre président de sa consommation. Vous l'avez dit. Donc, et bien la prise de conscience doit être citoyenne. Et c'est à chacun de nous d'être armé de courage. Il entend été blagué comme ça. Hein. De se battre et aller défendre ce qu'il y a à défendre. Comme le président l'a dit tout à l'heure, il y a nos administrateurs qui sont là, c'est-à-dire des politiques, qui mettent en place des politiques pour nous diriger. La politique de développement. De développement. Et si cela ne nous arrange pas, on l'exprime. Mais si l'expression n'est pas faite sur la place publique et chacun reste dans son salon pour le faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Moi, à mon humble niveau, par exemple, je me rappelle il y a 5 ans, je lançais une alerte sur des flocons de Sidelphi, je ne sais pas si le nom est bon, c'était un aphrodisiaque, à Korogo, où près d'un millier de flacons vides qu'on a retrouvés à côté du cimetière. Il y a une décharge qui est une déchetterie. Au cimetière, les gens utilisaient ça? Justement, on s'est posé la question de savoir comment se fait-il que ces milliers de flacons vides de ce produit-là se retrouvent ici. C'est qu'il y a un problème. Soit toute la population de Korogo a un problème d'érection, ou soit la douane l'a saisi, mais ceux qui l'ont saisi ont-ils pris le soin d'enlever aussi, simplement... Ce sont les cadavres qu'ils utilisent. Peut-être, c'est possible. Et là, 5 ans après, l'ordre des pharmaciens a lancé, ils ont lancé une information de sorte que les produits comme Atoté sont désormais interdits parce qu'il y a une dose élevée de ce produit. Et là, je réveille maintenant l'article que j'avais fait il y a 5 ans pour dire, mais j'avais donné l'alerte il y a 5 ans. Et ce produit, j'ai expliqué pour dire que ce produit est à la base des AVC, de plusieurs maladies. Est-ce que, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les consommateurs de ce produit... Comment vous savez que ça peut donner AVC? Les contre-indications... Non, non, les contre-indications, vous allez sur Google. Quand vous tapez, vous allez voir, tout est dit. Et les dosages sont bien... Voilà. On connaît les gens, ils vont courir pour aller chercher. Exactement. Donc, l'alerte a été lancée il y a 5 ans. Donc, imaginez... Si le poste avait été pris au sérieux... Bon, on ne dit pas que c'est ça, hein, mais je dis... Non, on peut, si... c'est ça, parce que l'ordre des pharmaciens l'a démontré qu'effectivement, il y a ce produit-là, naturellement, on dit naturel ici, il contient une quantité élevée de ce produit chimique-là. Je vais expliquer. Donc, du coup... Oui, Patrick. L'ordre des pharmaciens, je viens... S'il te plaît, 2 minutes pour... On dit, on a décoré le monsieur, pourquoi? Au départ, le produit était bio. Et comme il y avait beaucoup de commandes, il a dû ajouter des intrants qui a transformé le produit. C'est pour ça que l'ordre des pharmaciens
l'a annulé. Tonton, tu as un grand utilisateur. Nous non, tous, non, ici. Non, je suis, je fais des recherches. Pas tous, c'est qui? Nous tous. Patrick Edouard, rapidement. Moi, j'aime qui fait ça. Patrick Edouard, à Monsieur Seital. Non, je voulais savoir, nous sommes tous des lanceurs d'alerte parce qu'à partir du moment où on trouve qu'il y a une situation qui est défavorable envers un consommateur, on se plaint sur les réseaux sociaux. Quelle est la finalité d'un lanceur d'alerte? On a vu avec le Covid, on a vu avec plein de situations sanitaires qui ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire, mais également dans le monde, où les lanceurs d'alerte ont mené des actions concrètes. C'est-à-dire, au-delà de dire ce qui se passe, ils ont vu les législateurs, ils ont vu des ministres, des gouvernements, pour pouvoir faire en sorte de sensibiliser au mieux la population sur la situation et puis pouvoir trouver des situations concrètes. Qu'est-ce que vous, en tant que lanceur d'alerte... Ma question, c'est ça. Qu'est-ce que vous, en tant que lanceur d'alerte, vous avez fait, vous avez créé depuis que vous avez commencé à lancer des alertes? D'accord. Je vais vous donner un chiffre. Ok. 17 milliards de francs CFA. D'accord. C'est-à-dire, c'est énorme. Hein? D'accord. Il y a 6 ans, j'ai parlé d'un marché qui avait été donné à une entreprise locale ici, qui devait acheter 200 000 tables bancs pour nos écoles. Mm-hmm. Et ces tables bancs devaient venir de la Chine. J'ai alerté, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Des tables bancs, est-ce qu'il faut une technologie pour fabriquer des tables bancs? Mm-hmm. Des tables bancs. Oui, il y a un droit d'auteur pour les tables bancs. Nous n'avons pas d'entrepreneurs en Côte d'Ivoire pouvoir fabriquer ces tables bancs pour nos élèves ici. Et l'alerte a été lancée. Dans le temps, il y avait une page, un groupe très célèbre. Les jours qui suivaient, l'appel d'offres a été... Bon, ce n'était pas un appel d'offres, mais la commande a été annulée. Donc, j'ai pu à travers une publication, à travers une alerte, permettre aux entrepreneurs de Côte d'Ivoire d'avoir 17 milliards de francs CFA qui n'ont pas quitté le pays, qui vont rester... Après ça aussi, on vous a pub, en pub, pub, pub. Si. Pub. Pub. On revient tout à l'heure. La fille d'un DG mannequin, le DG d'NCI. Vous êtes bien dans le Yves Hydro Show, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Ce soir, on parle de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'en plaint, les assiettes sont vides, la population est fâchée, ça ne va pas, l'électricité, on n'en parle pas. On est fatigué, c'est chaud. Donc, il faut qu'on en parle. Ce soir, nous recevons le papato des influenceurs, un lanceur d'alerte qui s'appelle Serif Tal et le président de l'Association des consommateurs de Côte d'Ivoire qui s'appelle M. Marius Komwe qui nous a déjà expliqué de façon très courte tout à l'heure un peu ce qui se passe réellement. Tonton Fela. Oui. Il a dit qu'il avait lancé une alerte pour les 17 milliards. J'ai suivi ça. Mais après, il a disparu. Je me suis dit, mais il a fait comme les autres. Ils l'ont acheté comme les autres. Est-ce que c'est cela? Parce qu'on ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Depuis ce poste-là, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que vous n'êtes plus connecté. Si. Ceux qui sont connectés savent que je suis là. Moi, de toute façon, je donne l'information. Et je ne fais que rester dans ma ligne de lanceur d'alerte. Et je n'ai pas changé. Je suis constant. Et je suis logique dans tout ce que je fais. J'ai jamais fait. Vous êtes venu il y a quelques 3 semaines que moi j'ai recommencé à vous voir. Mais depuis la lettre de 17 milliards, on ne vous sent plus comme on vous sentait avant. Okay. C'était un poste tous les jours, plusieurs postes par jour. Non, dans le temps, comme je l'ai dit, là j'étais sur le groupe. C'est un peu différent. Maintenant que je suis. Le groupe a été fermé par Facebook. Okay. Et là je suis revenu sur mon profil personnel. Où je parle tous les jours, tout ce qui concerne, même tout récemment, en ce qui concerne les déguerpissements, et même un projet américain, comme on ne doit pas citer de nom, un projet américain qui a été initié, où les Américains ont donné près de 257 milliards à la Côte d'Ivoire, qui est un peu en ballotage parce que dans le projet, il y a un certain nombre de personnes qui devaient être déguerpies. Et là, le district est venu déguerpir les gens sans... rentrer en contact sans coordonner les choses avec les dons. Les Américains sont fâchés, comme on le dit, entre griffes. Ben, c'est des choses... Influenceurs ivoiriens, font-ils la sourde oreille à nos problèmes? Micro-trottoir. Bon, selon moi, les influenceurs ne sont pas sourds face à la cherté de la vie, parce qu'il y a même certains influenceurs qui défendent la cherté de la vie en disant au gouvernement de
voir les coûts des différents produits de la ville. Quoi. Selon moi, les influenceurs ivoiriens ne sont pas sous. Parce qu'il y a certains influenceurs qui défendent et il y a d'autres aussi qui sont fous de ça. Pour ceux qui défendent, je prends l'exemple, le cas de Suspect 95. Il parle, il s'exprime, il a la voix de la population. Ce qui ne va pas, il dit. Ce qui va aussi, il dit. À propos de la cherté de la vie, il y a plusieurs influenceurs qui sont sous sur la cherté de la vie. Il y a d'autres influenceurs même qui sont là pour faire BBL seulement. C'est la population qui like vos choses, qui vous donne le soutien chaque jour. Et puis vous avez de l'argent. Parler de la cherté de la vie. Parce que nous, ça ne nous arrange pas. On est fatigué de ça. Bon, moi, selon moi, les influenceurs, la charité de la vie ne les intéresse pas. Vu qu'eux, ils se disent que genre, ils sont au-dessus de leurs moyens. Donc, comment dirais-je, la charité de la vie ne les intéresse pas. Les influenceurs de la vie, ils, même pas, eux-mêmes, ils pensent à eux-mêmes leur vie. Ils ne pensent pas aux autres. Ils pensent à eux-mêmes leur vie. À s'asseoir, tapoter, liker, partager le direct. Ils ne savent même pas même parler mal des autres. Nous qui sommes des likés pour eux, là, ils n'ont qu'à penser à nous aussi. Bon, moi, pour moi, les influenceurs, ils n'ont pas la... Ils pensent pas aux autres, en fait. Ils pensent à eux seulement. C'est-à-dire que pense à faire les vidéos qu'on like, qu'il y ait beaucoup d'argent. Ils ne pensent pas à... Ils pensent pas au peuple, en fait. Ils pensent au moins à leur propre vie. C'est Riftal. Bon, comme je vous êtes influenceur aussi. Oui, bien entendu. Comme je l'ai dit au départ, chaque citoyen est responsable de lui-même. Il ne faudrait pas qu'on déplace, qu'on délègue ce que nous-mêmes devons faire en tant que citoyens à certaines personnes. Les influenceurs, aujourd'hui, chacun a sa ligne éditoriale. Il y a des créateurs de contenu, il y a des personnes qui parlent de tourisme et tout ça. Il y a des personnes, surtout sur TikTok, qui mettent des contenus en place pour pouvoir être rémunérés après. Donc, c'est à nous-mêmes. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau-là, parlant de cherté de la vie, c'est parce que le sujet est d'actualité. C'est parce que les Ivoiriens ont décidé d'en parler. Mais si vous n'en parlez, si on veut parler qu'un griffe de béret, des choses qui n'influent pas forcément la politique, et la cherté de la vie et tout ça. Mais les influenceurs, c'est de ça qu'ils vont parler parce que ça les permet de générer du contenu, ça les permet aussi d'être rémunérés et tout ça. Donc, c'est à nous-mêmes, en tant que citoyens, de prendre conscience, de dire « Ah, mais il faut qu'on change les choses. Ah, mais il faut qu'on adhère à l'association du président Koumoué. Il faut qu'on crée des associations pour pouvoir créer le contre-pouvoir. » Puisque aujourd'hui on a l'impression que les députés, il y a un député qui fait bien ce combat. Et vraiment, voilà, c'est chaque citoyen, c'est le combat de chaque citoyen. Il ne faudrait pas qu'on délègue un certain nombre de choses. Parce qu'ils font aussi leur travail à leur manière. Et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas pour défendre des influenceurs. Mais il y a certains quand même, malgré tout ce qu'ils font, ils parlent souvent quand c'est d'actualité. Par exemple, j'ai suivi un autre influenceur. Voilà, qui n'a pas l'habitude de parler. La description, franchement, voilà, est péjorative. Puisque je n'ai pas le droit de faire des dédicaces. Donc, tout récemment, qui a parlé, effectivement, qui a dit que la cherté de la vie, c'est compliqué, voilà, il a donné ses arguments. Mais on ne peut pas dire qu'il ne parle pas de la... Mais après, quand il parle, si tout de suite on vous dit, par exemple, l'électricité est chère, et qu'il nous faut un mois, faisons un mois sans consommer, sans allumer d'appareils dans nos maisons, combien d'Ivoiriens seront capables de le faire? C'est ça la question. C'est vrai, et on peut impulser, on peut propulser un combat, mais derrière, est-ce que ça va suivre? Parce que nous, sur notre carburant, c'est ce que les gens, c'est le soutien des populations. Parce que tout de suite, si vous n'êtes pas soutenu, avec les lois qui encadrent la cybercriminalité, et les réseaux sociaux, tout ça, il suffit d'un petit dérapage et vous vous retrouvez derrière les barreaux. Et là, il n'y a plus de personnes derrière vous pour dire que les influenceurs ne dénoncent pas ces signes-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que les influenceurs ont leur ligne éditoriale. Là, on parle de la cherté de la vie. Même si tu parles du football, la cherté de la vie concerne tout le monde. Tu viens parler de, je sais pas, de la maçonnerie, tu parles de la cherté de la vie concerne tout le monde. Ce qu'on dit là, c'est que des personnes qui se disent influenceurs, parce que pour moi, il n'y a pas d'influenceurs. Des gens qui peuvent impacter l'opinion publique sur les questions sociales, quand on parle de questions intellectuelles, administratives, artistiques, tout ça, on parle de la société. Mais ces gars qui s'asseyent là-bas, quand il s'agit de donner le code promo de Paris Sportif, ils viennent là, comme la fille l'a dit, tapoter l'écran. Mais non, aujourd'hui vous dites non, chacun doit être son propre président des consommateurs. Mais nous, on attend un leader d'opinion. Des gens sont assis là-bas, ils veulent se révolter, mais ils font comment? Moi, je ne peux pas me lever aujourd'hui, aller dans la rue pour dire « Tout est cher !» Insulter les gens. Non, je ne peux pas.
Je ne peux pas. Il faudrait des leaders d'opinion, des gens qui nous parlent. Il y a des célébrités qui sont là, juste parce qu'elles sont des célébrités. Le public suit ces célébrités parce que c'est un chanteur ou parce que c'est un gars connu. Simplement, il a l'audience parce qu'il est célèbre. Et lui aussi va venir s'asseoir pour dire que non, je suis influenceur. Tu es influenceur de qui? D'accord, je vais rapidement rebondir pour dire combien d'entre nous a une fois essayé ou bien a une fois dénoncé des choses sur le député qu'il a élu dans sa circonscription. Sur le quoi? Le député qu'il a élu dans sa circonscription. Combien d'Ivoiriens l'ont déjà fait sur la place publique pour dire que non, le député, on l'a élu pour un certain nombre de choses et les lois qui sont votées ne nous arrangent pas et il y a des législations qui sont prises qui ne nous arrangent pas. Combien d'Ivoiriens se lèvent pour le faire d'abord? Parce que c'est eux qui sont payés avec nos impôts. Hein. Les influenceurs, ils sont rémunérés comme ils le veulent. Quand il y a des choses qu'ils font pour être rémunérés. Mais donc, selon vous, M. Serif Tall, il ne faudrait pas qu'on accuse les influenceurs. C'est le choix. Non. Effectivement. Voilà. Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'arrive. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Là. Tu vois, Tall, pendant la Coupe d'Afrique, ils ont fait des palas pour ça. C'est nous qui pouvons vendre la Côte d'Ivoire, on ne nous a pas choisi. Merci. C'est nous qui allons vendre la Côte d'Ivoire, on ne nous a pas. Il y a des palas partout. Mais de toute façon, on vous a choisi de vendre la Côte d'Ivoire. Comment vous devez défendre la Côte d'Ivoire? On vous a choisi devant 30 millions d'habitants. Et c'est vous qu'on voit. C'est vous qui avez une voix. Ah, vous avez bouffé l'argent des cadres. Vous avez bouffé l'argent des gens. Maintenant, vous devez défendre la population. Vous dites que vous n'êtes plus influenceur. Pourquoi? Ils ont que chacun a une éditoriale. C'était la Côte d'Afrique qui était votre ligne éditoriale. Non, mais est-ce que ils ont pris des millions, ils ont pris des millions là-bas. Vous pouvez nous défendre maintenant. Ils disent non, ils sont plus des gens. Pourquoi? C'est eux qui se battaient pour vendre la Côte d'Ivoire, non? Eux, ils vont t'aimer. Malhonnête là. Oui. Alors, monsieur, la question monsieur. De la défense même des populations en général, c'est une question centrale pour chaque citoyen. Parce que nous subissons, comme le disait mon voisin de gauche, nous subissons tous les effets néfastes des politiques qui nous imposent. Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous impose, c'est les politiques. Quelle est la ligne de développement, quelle est la ligne politique de développement choisie? Et comment récupérer de l'argent pour financer cette politique? Voilà les réalités. L'État n'a pas de champs de café, de cacao. L'État n'a pas de villa, d'immeuble, où il va encaisser les loyers et dont le rapport locatif, c'est-à-dire quand il encaisse tous les loyers, là, l'argent qu'il trouve là, ça lui permet de financer toutes ses activités pour notre bonheur. Non. Quand nos parents, là, nos populations voient un maire dans sa commune à Wangolo, à Wangolo-Dougou, à Djiberoua, à Diokwe, pour dire dans mon village, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau potable, on veut de l'eau, il n'y a même pas route. Quand les responsables, le président du conseil régional vient dire ça à l'État, l'État dit j'ai pris bien note. Mais pour aller financer ça, l'État va venir chercher l'argent dans nos portes, dans nos poches et dans nos porte-monnaies et nulle part ailleurs. Et s'il ne trouve pas, l'État va aller chercher l'argent sur le marché mondial et donc aller emprunter. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, dans le cas, par exemple, de la cherté de la vie, regardez, un pays comme la Côte d'Ivoire, je termine sur ça. On a du bétail. On peut produire nous-mêmes du bétail. On a de l'eau. On a de l'herbe fraîche sur l'ensemble du territoire national. Mais comment vous pouvez concevoir, madame, monsieur, que la Côte d'Ivoire confie son ventre au Niger, qui est un pays enclavé où il n'y a pas d'herbe fraîche? Comment la Côte d'Ivoire confie son ventre au Mali? Pourtant, vous avez un ministère en charge des productions animales. Quelle est la politique nationale de production animalière? Et puis, tu vas tourner le dos à l'importation toute azimut du bétail. Mais nous avons... Bon. Non, nous ne serons pas obligés de tout. Nous avons la goutille, monsieur. Mais oui, mais bien sûr, on peut, mais encore faut-il, c'est des ruminants, et au niveau de nos dispositions légales, eh bien, on ne les tue pas. Il faut les protéger, pour protéger notre flore. Quels sont vos rapports avec le législateur? Parce qu'on a vu la semaine dernière... Ton avis, oui. Face à ce que... C'est par rapport à ce qu'il a dit, ok, au-delà de la question. Bon, moi, personnellement, par rapport aux influenceurs, je pense que chacun... Les influenceurs font la sourde oreille. Non, moi, je pense que chacun balaie où ça l'arrange. Parce qu'à partir du moment où tu sais que si moi, je me dis que je vais parler mal de la cherté de la vie, je sais qu'un ministre ne va pas me donner de l'argent ou bien que demain, je ne vais pas avoir une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, à partir du moment où je ne vois pas pourquoi je vais parler. Je vais parler de mon timbinceur, du fait que ça allait faire BBL ou du fait que j'ai fait un béret à telle ou telle personne, parce que c'est que ça me donnait de l'audience. Je pense qu'il y a un faux semblant et de l'hypocrisie de la part de la majorité des influenceurs. Il y a des exception, peut-être monsieur Serif Tall en est une, mais pour moi, concrètement, je pense qu'il y a de l'hypocrisie et chacun balaie devant sa cour parce que c'est ce qui l'arrange et ils ne veulent pas faire autrement. C'est triste, c'est une réalité parce que
en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui souffrent. Les personnes n'arrivent pas, on voit qu'il y a des factures de 200, 400 000, alors que même ton salaire moyen n'atteint même pas 100 000, et tu dois être obligé de payer des sommes astronomiques pour une consommation même qui n'en vaut pas la peine. Mais malgré ça, il y a des personnes... Parce que toi aussi, tu aimes beaucoup le climatiseur. Oui, bien sûr, c'est pour mon teint. Voilà. Bah, bon. Non, mais bon, moi, j'ai vu ma facture, ça va. Mais je veux dire qu'il y a d'autres personnes, ça n'empêche pas de faire de dire qu'il y a d'autres personnes qui vont payer des factures de 400 000 alors qu'ils sont payés à peine 100 000 francs leur salaire. Donc, c'est assez triste. Et malheureusement, on est dans une situation où personne ne veut faire l'effort de travailler et de proposer quelque chose de concret. Et on est là, on laisse la population souffrir. Concernant les propositions concrètes, j'avais fait une proposition concernant la production d'électricité. Vous savez, en Côte d'Ivoire, l'État signe des contrats avec des privés. Et ces contrats, au niveau de la production d'électricité, on appelle des contrats take or pay. C'est-à-dire quoi? L'État s'engage à acheter toute la production que ces privés l'avons fait. Et c'est sur cette base-là que les producteurs viennent s'installer pour mettre en place des centrales thermiques ou bien des centrales solaires. Et ça, la Côte d'Ivoire, nous produisons beaucoup d'électricité. Donc les gens se posent la question de savoir pourquoi nous produisons plus puisque nous ne consommons pas tout ce que nous produisons. Et un exemple, c'est comme si nous produisions 2000 mégawatts et que nous consommons au plan local 1500. Donc les 500, on est obligé de les racheter avec l'argent du contribuable. Puisqu'on ne peut pas stocker l'énergie. Donc, c'est sur cette base-là que c'est concessionnaire. Alors, il faut nouveau qu'on type reçoive un spécialiste pour parler. Oui, mais en fait, il y a un nouveau modèle qui est en train d'être mis en place par le Ghana et le Kenya, par exemple, qu'on appelle le take and pay. C'est-à-dire, je paye que ce que je consomme. Et le reste, c'est au privé maintenant de se débrouiller de où est-ce qu'ils vont les vendre. Donc, c'est pourquoi l'État est obligé d'investir plus dans les zones rurales pour pouvoir donner l'accès à l'électricité à ces populations pour qu'on puisse consommer ce qui n'est pas consommé en toute fait. C'est là que je trouve le gâchis. Donc, je pense que c'est là qu'il faut régler le problème. Et dans le pire des cas, moi, j'ai proposé à ce qu'on nationalise cette compagnie-là parce qu'on l'avait privatisée parce qu'il y avait des problèmes. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a vu au premier trimestre, la CEI a fait des 2024, la CEI a fait des bénéfices. Donc, ça veut dire que le secteur quand même de la distribution, ça va. Donc, il faut nationaliser le secteur. Donc, moi, je pense que c'est la solution. Nationaliser, quand on vous nationalise, quand on met vos frais pour gérer, ils donnent courant à leur maîtresse, c'est nous, on paye. Non, mais on a... Vanessa. Okay. Alors, moi, j'aimerais dire que les influenceurs, je pense qu'ils pourraient faire un peu plus. On n'est pas en train de demander aux gens de... Il ne s'agit pas de nous demander de sortir dans les rues ou bien de faire des actions. Non. Ça commence par un poste, même un petit poste de solidarité. Parce que quand vous êtes influenceur, vous partagez des choses avec une communauté. Quand on parle de communauté, ça veut dire que vous avez des échanges, vous partagez des choses avec ces personnes-là. Il y a un lien entre vous. Alors, tu ne peux pas avoir un lien avec moi et puis il m'arrive un truc, tu n'en parles jamais, ça ne t'intéresse pas. Moi, j'estime que c'est biaisé, en fait. Voilà. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de mentionner, de faire un petit post, une petite vidéo, même si ça ne vous touche pas directement, mais de vous montrer solidaire. Rien que ça, pour commencer. Je vais vous donner un exemple simple. Il y a une actrice américaine, je n'ai pas le droit de faire des... actrice américaine, et ses followers disent qu'elle n'a pas parlé du problème en Palestine. Elle a perdu près de 700 000 abonnés. Est-ce que ici, lorsque l'influenceur qu'on suit, s'il ne fait pas ce que nous voulons, qu'il touche à tout le monde, est-ce qu'on a le courage d'essayer de le boycotter pour lui montrer que mais on n'est pas content parce que vous ne parlez pas de cette... Non, mais moi, je le fais déjà. Je ne parle pas de... Voilà, il y a certains aussi, il y a d'autres aussi qui le font et tout ça. Mais je veux dire que le premier responsable, c'est le consommateur lui-même. Nous avons vu la crise des data ici, mais j'étais trop content des Ivoiriens. Tout le monde a pris la chose à bras le corps. Pourquoi pour amener... Parce que là, quand l'alerte a été lancée, tout le monde l'a accepté. Tout le monde s'est dit, ben, ça concerne tout le monde, il faut qu'on le fasse ensemble. Non. Et c'est ensemble qu'on change les choses. Non, on a même poussé des décideurs à venir à la télévision. Il ne reste pas beaucoup de minutes, je vais parler. Vous savez, vous êtes hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Je m'explique. Vous êtes soi-disant des influenceurs. Vous avez des abonnés. Vous dites que vous décriez certaines situations. Bon, vous le faites. Mais ceux qui se disent influenceurs, qui choisissent les moments pour en parler. Vous avez cité tout à l'heure un monsieur. Mais tous ceux-là,
C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode qu'ils en parlent. Ça. Effectivement. C'est ça. Tout à fait. C'est parce qu'on a vu que quand on parle de la cherté de la vie, on a des réactions sur les réseaux qu'on en parle. C'est de l'hypocrisie. C'est clair. Vous jouez avec les consommateurs. C'est vrai. Aujourd'hui, tout est hypocrisie sur les réseaux. On parle d'un sujet parce qu'on veut attirer l'attention, on veut développer le capital sympathie, on veut attirer les likes. Sinon, ils s'en foutent. Ouais. Quand je parle, on dit je parle de moi. Moi, la première vidéo que j'ai faite sur la compagnie d'électricité, je ne sais même pas ça remonte à combien d'années. Ou après, on a fait une vidéo avec Zike et tout. Ah, oui. On a été approché par la compagnie pour pouvoir expliquer aux Ivoiriens le pourquoi du pourquoi. Avant, quand je faisais les vidéos où je faisais des posts pour décrier, on m'insultait. Vous-même, vous avez fait partie des gens qui m'insultaient sur les réseaux. Monsieur Serifta. Ouais. Oui, oui, oui. En 2020. Si, si, si. Vous avez fait plein de posts pour me tourner, pour me jeter en pâture, me faire passer en dérision. Donc, quand vos stars, vous les faites passer en dérision, certains influenceurs, vous les faites passer en dérision, qui sont des porte-voix, mais vous les muselez. Puisque quand vous faites des posts, des gens viennent rire sous vos postes de cette personne. Mais comment cette personne-là, demain, va avoir la force de venir décrier? On ne choisit pas ce dont on doit parler quand on défend une communauté. Ce sont des consommateurs comme nous. C'est vrai. Pour certains, ils ont une vie, ils vivent, ils ont des moyens et tout ça. Mais on a des familles aussi qui ne sont pas, qui n'ont pas le même niveau de vie. Donc je dis, quand on veut défendre, on défend. On ne regarde pas un tel ou un tel, ou on ne dit pas non, chacun est son propre président. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, M. Komou est démissionné. Parce que quand on est président d'une association qui porte le nom de tout un pays, tous les consommateurs d'un pays, il n'y a pas un... Quand on demande à un Ivoirien, le président des consommateurs de ton pays s'appelle comment? Il ne dit pas lui-même son nom. Il dit Marius Komoué. Donc nous tous, on a arrêté derrière M. Marius Komoué. Mais si M. Marius Komoué, même, on a arrêté derrière lui, lui-même, il baisse les bras pour dire que... On a voté. On a voté les institutions. Nous, on a voté les gens. C'est avec les gens. Donc M. Marius n'a qu'à démissionner. Et puis nous tous, on va mettre étiquette des présidents sur nous et puis on va aller parler. Parce que vous prenez un nom des consommateurs pour mettre sur vous. Maintenant, arrivé là-bas, vous partez bégayer là-bas. Si vous allez aux réunions avec les décideurs, quand on dit le prix des temps va augmenter, c'est vous qui devez venir, tout le monde. Vous êtes un papa, vous avez portable. Et c'est ce que je fais. Vous avez Internet. Tout le monde sait utiliser Internet aujourd'hui. Vous sortez, même si vous ne voulez pas vous mouiller là, vous appelez Papato qui est assis là, c'est Riftal, vous dites, ah, je suis allé à une réunion là. Voilà ce qu'on a dit là-bas. Ça va sortir. Il faut qu'ensemble, on soit ensemble pour commencer à protester. Protester, ce n'est pas aller dans la rue, taper les casseroles, boum, 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 boum. On peut avoir une protestation saine. Pacifique. Pacifique. L'État n'est pas sourd. Le président de la République n'est pas sourd. Mais il y a des gens en bas, peut-être, qui ne remontent pas l'information. Mais quand on va faire du bruit, là, ça va arriver à lui. C'est ça. Et il va convoquer qui il doit convoquer. C'est ça. Mais celui-là poste photo de temps. Celui-là fait ceci. Celui-là... Maintenant, ceux qui parlent, on ne les soutient pas. Vous voulez que qui se mouille? Personne ne peut se mouiller. Parce que quand les Ivoiriens, même là, ils sont animés par un esprit de médiocrité. Si, si. Malheureusement. Quand il s'agit de bérets, des trucs qui n'apportent rien à la population, ils relaient ça. Merci. Avant-hier, j'ai fait une publication pour dire qu'ils ont coupé l'électricité à la SIAD. Allez voir le nombre de likes et de commentaires. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, mais toi-même, tu n'as pas groupe électrogène, quoi. Mais je peux avoir un groupe, mais je parle pour la population. Les gens qui ne sont pas intelligents qui commentent. Je parle pour la population. Donc, je dis, il faut que les Ivoiriens même décident
de pouvoir parler et dire leurs vrais problèmes pour qu'ils puissent être écoutés. Merci à vous merci d'être à venus vous. Sur ce plateau. Merci. Moi, je souhaite recevoir des personnes, des compagnies, hein, d'électricité, de l'eau aussi, hein, pour venir nous expliquer comment se font les calculs. Si la faute nous incombe, nous, les consommateurs, si on doit réguler notre consommation, ou bien si la faute vient d'eux, ou bien si c'est mondial, on veut savoir. Vraiment, on veut savoir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Merci à tous ceux qui vont hacher cette émission et la distribuer sur toutes les plateformes, en faire des panels. Merci aux invités. Et puis à vendredi prochain. Ciao, ciao.